Donc, on va commencer la rencontre d'aujourd'hui. Je suis contente de vous revoir, étant donné que notre dernière rencontre a eu lieu au mois de mars. Oui, pas de Caroline Métivier nous dit, pas de nouveautés au Louis-Joliette. Oui, Caroline, est-ce que je peux poser une petite question pour le programme de francisation Alpha? Est-ce que ce serait possible de l'avoir avant la fin de l'année scolaire pour le mettre sur le site des après-cours? Alors, bonjour à tous. Donc, je vais faire le suivi avec la directrice adjointe, là, Nancy Fillion, et l'équipe de, en fait, les deux profs qui ont fait le programme. Donc, je vais faire ça tout à l'heure après la rencontre, puis je verrai s'ils en sont en pour en fond, te l'envoyer pour que tu puisses l'afficher sur le four ou la communauté. Merci beaucoup. Merci. Et bien, Nicole Chabot nous écrit qu'il débute seulement avec un projet de quelques semaines, qu'il va être comme observatrice aujourd'hui. Et oui, Eric, mais moi, je t'inviterai à te présenter. Tu es comme nouveau. Pas nouveau en francisation. En fait, je ne suis plus en francisation. Je l'étais il n'y a pas très longtemps. Mais je débute comme conseiller pédagogique pour l'équipe choc pédagogique volet autochtone qui vient d'être créée tout récemment. Donc, je suis en appropriation de tous les autres programmes. Par contre, j'ai toujours l'intérêt pour la francisation. Évidemment, si possible, avec ce qui pourrait être adapté pour la clientèle autochtone, mais en même temps, aujourd'hui, je voulais en entendre plus davantage sur le matériel que Charles, entre autres, représentait, qui m'en a déjà un petit peu parlé, mais je n'ai pas pu assister aux formations récemment qu'il a données à ce sujet, même si on va se voir bientôt. Mais sinon, ça me fait plaisir de vous rencontrer, puis on verra peut-être comment on peut collaborer dans l'avenir. Et bienvenue parmi nous. On va être contente de te Merci. revoir dans nos rencontres. Et D'accord. Aussi. Caroline Chaillé nous écrit que ils commencent à l'an prochain bien, ils réfléchissent à délaisser le cahier par ici pour l'année prochaine. Je pense que plusieurs centres commencent à y réfléchir. Je sais que la question est aussi posée dans les centres de notre commission scolaire. J'espère qu'avec le nouveau matériel que Charles va présenter aujourd'hui, ça réglera en partie le problème et les situations d'apprentissage vont compléter les heures et vont compléter tout ce qui est à faire. Donc, les deux petites nouvelles. Donc, ceux qui ont été au pré-congrès, vous avez vu tous les outils pour aider la correction. Ceux qui n'ont pas été au pré-congrès, mais les outils de correction seront bientôt disponibles sur le site de l'accompagnement. Francisation. Et il y a une autre nouvelle que je trouve va quand même être très, très, très bien reçue par la réseau. L'Agrix travaille présentement sur les examens du stade débutant. Donc, le niveau 2, le niveau 3, il y aura minimalement deux versions par niveau qui vont être produites. Donc, avec les versions locales, on aura quand même plus de possibilités de varier les versions d'examen d'une session à l'autre. Au moins, ça va nous permettre d'avoir minimalement quatre versions pour l'année, donc une session avec chaque version d'examen qui va être différente. Voilà. Et bien, Caroline Métivier nous demande pourquoi délaisser par ici. Caroline, peux-tu expliquer pourquoi chez vous, vous avez décidé de... C'est quoi le questionnement? Je vais te compléter après et ensuite on laissera la parole à Charles. Alors oui, ben ça fait pas l'unanimité pour le moment. Il est utilisé pendant les classes de jour. Le soir, comme c'est tout nouveau, le nouveau programme pour l'équipe du soir, on leur proposerait pas là, de se détacher du matériel qui donne confiance au départ. Mais on vit quand même des frustrations avec ce matériel-là parce que il est pas un aliment curriculaire. On rencontre de la frustration dans tous les aspects. Phonétique, tous les aspects linguistiques qui sont présentés, pas tout, mais plusieurs, disons. Et les questions sont pas toujours posées adéquatement. Comme matériel de préparation à un examen, c'est pas approprié. On demande vrai-faux, on demande jamais de justifier. Quand je l'utilise, ben, je demande aux élèves de me justifier leurs réponses, mais c'est long, c'est laborieux. Ça part un peu dans tous les sens. Oui, mais madame, dans le corrigé, ça dit ça. Oui, mais si on part
de la situation X, le corriger ne serait pas exact. Moi, je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec ce matériel et j'aurais du plaisir à l'utiliser à 25 pages, 10 % de l'ouvrage en respectant les droits d'auteur. Par contre, je ne le ferai pas acheter systématiquement, je ne l'utiliserai pas. Là, parce que quand on le fait acheter, on veut l'utiliser un maximum pour rentabiliser l'achat de l'apprenant. Et je me sens comme obligée de l'utiliser alors que j'ai du matériel alternatif qui joint la cible plus de façon plus appropriée et de façon moins chronophage. Je trouve ça chronophage l'approche par ici. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec. Merci Caroline. C'est la même discussion chez nous parce que ce ne sont pas tous les enseignants. Les enseignants chez nous travaillent en trio. Donc, ce n'est pas tous les trios qui l'utilisent, mais si on demande à acheter un cahier, mais il faut que ça soit utilisé à 85 ou 95 %. Donc, les cahiers sont parfois bien, il y a 5-6 pages d'utiliser, le reste est vide. Et il y a beaucoup d'autres photocopies qui est distribuée aux élèves aussi pour compléter parce que ça correspond mieux à l'intention, parce qu'on aime plus le matériel qu'on utilise. Donc, c'est le questionnement aussi. Et c'est vrai qu'on a la question de Eric, frustration ou lacune, incomplet ou pas clairement. Premièrement, c'était fait en fonction du programme cadre entre les deux ministères. Ça ne correspond pas nécessairement bien à notre programme d'études de francisation. Et ils se sont donné la latitude, les rédacteurs, de déplacer les savoirs, de déplacer les intentions. Donc, parfois, on ne retrouve pas ça au même niveau. Donc, les intentions qui sont au niveau, je pense que c'est le niveau 4. On peut les retrouver dans le 4 et dans le 5-6. Donc, ça fait que les élèves doivent acheter un cahier, un autre cahier. Et ça fait quand même une grosse dépense pour un immigrant qui arrive. Donc, une autre question de Caroline Métivier, faisiez-vous acheter le cahier d'exercice seulement? Caroline, est-ce que vous utilisez le cahier d'exercice ou le manuel comme tel? Le manuel comme tel, avec le cahier d'exercice. Je ne suis peut-être pas allée consulter tout le matériel par ici, mais c'est celui qui était là, distribué il y a 2-3 ans. Est-ce qu'il y a vraiment un cahier d'exercice? Oui. Est-ce que celui que vous utilisez est en couleur avec un CD? Ça, c'est le manuel. Sinon, il y a oui, c'est ça. C'est le manuel avec le CD. Mm-hmm. Puis les cahiers d'exercice, écoutez, c'est tellement pas un aliment curriculaire, j'aurais jamais investi dans le cahier d'exercice parce que c'est pas avec, ça va pas avec l'arrimage. Les contenus qui sont vus avec les intentions ne sont pas nécessairement ce qui est proposé dans l'arrimage, puis là, ce que Charles va nous proposer, ça respecte tellement l'arrimage. Là, on va se trouver à être décalé. On va se trouver à couvrir des savoirs, non, je n'irai pas là. J'ai juste géré par ici, je trouve que c'est beaucoup de détours. Mais oui, je comprends. Je comprends. Charles, oui, tu voulais parler? Oui. Je voulais juste apporter une précision concernant l'alignement curriculaire. C'est que l'arrimage qu'on s'est créé ici, le ministère de l'Éducation, c'est une proposition. En fait, on peut être en alignement curriculaire sans suivre l'arrimage. Par contre, c'est sûr que c'est facilitant parce que tous nos travaux de création de matériel tiennent compte de l'arrimage. Donc, que vous utilisiez les SA ou le matériel à qui veut l'entendre que je vais présenter, si votre enseignement est collé à l'arrimage, tout le matériel qu'on fait va vous suivre. Par contre, le programme d'études ne propose pas d'arrimage en tant que tel. Donc, si les savoirs sont au bon niveau, si les intentions sont au bon niveau, si la progression des savoirs est respectée, on peut être en alignement curriculaire. Cela dit, je n'ai pas analysé le par ici pour pouvoir me prononcer personnellement, à savoir si par ici est en alignement ou non. Vous le savez peut-être parce que vous l'avez utilisé, moi je ne l'ai pas utilisé. Par contre, moi ce que je peux dire, c'est que c'est aussi l'organisation des cours qui sont différents au midi et ici. Donc en fait, ici on fait nos cours, le cours de niveau 1, c'est le niveau 1, les 4 compétences. Le cours de niveau 5, c'est les 5 compétences de niveau 5. Donc, en fait, notre organisation scolaire est faite en fonction. Nos cours correspondent au niveau.
le PAR-ICI a aussi été fait en fonction de l'échelle. Notre programme d'études a été fait en fonction de l'échelle des niveaux de compétences. Donc, en fait, on suit la même échelle, c'est juste que dans le PAR-ICI, si je ne me trompe pas, tient beaucoup plus compte de l'organisation scolaire du midi, en ce sens que les cours sont offerts par bloc. Donc, dans un bloc, on peut avoir différents niveaux en fonction de la compétence. On pourrait avoir de la, là, je dis n'importe quoi juste pour illustrer, on pourrait avoir de la CO niveau 5 avec de la PO niveau 4. Ça fonctionne dans leur organisation scolaire parce qu'ils sont par bloc. Nous, notre organisation scolaire est par cours. Chaque cours est construit pour un niveau. Donc, en fait, ça pourrait, tout ça, en fait, le PAR-ICI tient compte de l'échelle, mais n'est pas organisé selon notre organisation scolaire. Donc, c'est là où ça bloque. Ça, c'est ma compréhension. Il y a certainement des choses qui m'échappent, mais si ma compréhension est juste, il serait en alignement curriculaire, mais pas organisé pour nous servir. Et c'est là que ça ferait en sorte que peut-être ce matériel-là fait en sorte qu'on doit se questionner sur quoi choisir, à quel niveau. Donc, bref, grosso modo, c'est ce que j'avais à apporter comme élément de réflexion. Merci Charles. Je pense que ce matériel reste un bon matériel complémentaire si on veut avoir une diversité dans ce qu'on utilise en classe. Mais c'est vrai qu'on ne serait pas capable de le suivre à la lettre et c'est les enseignants qui partagent aussi leurs impressions qu'il y a des choses qui manquent ou il y a des choses qui sont plus difficiles, qui ne correspondent pas. Donc, c'est à se questionner et on verra bien quelles décisions avaient été prises, mais l'année prochaine, quand on va débuter l'année 2019-2020. Yeah. Maintenant, je vous propose, il est midi 13, pour qu'on ait le temps de voir toutes les possibilités et tout l'éventail que nous offre le matériel à qui veut l'entendre. On va laisser la parole à Charles, qui va nous le présenter. Ça me fait vraiment plaisir de présenter le matériel. C'est toujours agréable de présenter des bonnes nouvelles. Puis je pense que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un travail de longue haleine. Ça fait au-dessus d'un an qu'on passe la plupart de notre temps là-dessus. En tout cas, en ce qui me concerne, puis plusieurs acteurs ont contribué. Là, il y a autour d'une vingtaine de personnes qui ont mis la main ou la voix sur le projet. Il y a beaucoup de conviction aussi parce que on a eu la chance d'avoir carte blanche par rapport à ça, en ce sens qu'on a pu avoir une réflexion de fond sur la didactique de la CO. Donc, réfléchir vraiment à, du point de vue de l'élève, ce que c'est développer cette compétence-là, du point de vue de l'enseignant aussi, ce que c'est enseigner la CO, parce que juste ça, des fois, on ne sait pas trop comment répondre à cette question-là si on se fait poser la question comment ça s'enseigne la CO. On a toutes sortes de trucs, on peut travailler on travaille beaucoup la stratégie, en fait, jusqu'à maintenant, là, c'est ce qu'on a observé, on enseigne, bon, le vocabulaire, les stratégies compensatoires ou bon, les stratégies d'écoute. Mais c'est l'oral, la compréhension de l'oral a cette particularité que l'oral est un peu éphémère. L'oral, c'est volatile. L'oral, ça passe, ça commence, ça finit, il faut le saisir au vol, contrairement aux autres compétences qui permettent en production orale ou en interaction orale, de vérifier sa compréhension, de se reprendre, de négocier le sens, en lecture ou en écriture, de prendre le temps de se réviser, de repasser. La compréhension de l'oral passe. Donc, en fait, on n'était pas satisfait de notre propre représentation de ce que c'était développer la CO chez l'élève. Donc, on a eu toute cette réflexion-là, puis on s'est posé la question comment on peut servir maintenant cette réflexion-là avec du matériel pour aider les enseignants à l'enseigner mieux ou de différentes façons, ou d'aller plus en profondeur dans cette compétence-là. Donc, le projet est en train
d'accoucher. On peut dire qu'il y a déjà du matériel de prêt qui va être disponible très bientôt. Je vais vous en parler là, à la fin, comment rester au courant de sa mise en ligne, puis des mises à jour, puis des ajouts qui vont être faits, parce qu'on ne veut pas attendre à la fin du projet pour que tout soit disponible, pour tout soit fini, pour que tout soit disponible. Donc, dès qu'on a du matériel disponible, on va le rendre, du matériel prêt, on va le rendre disponible. Comme ça, ça va permettre aux enseignants de l'utiliser le plus rapidement possible parce que le besoin est actuel. Donc, c'est ça. Donc, c'est la petite histoire là, derrière ce projet-là. Puis, je vous le présente aujourd'hui pour que vous sachiez un peu plus quoi en faire ou vous sachiez un peu plus comment en parler autour de vous quand le matériel va être disponible parce qu'il y a une ingénierie didactique quand même particulière. On n'a pas juste enregistré des dialogues avec des questionnaires ABCD là, pour tester la compréhension. On veut vraiment équiper l'enseignant pour qu'il puisse enseigner l'oral à l'oral et non pas seulement tester, je ne veux pas dire que c'est ce qui se fait partout tout le temps, là, mais seulement tester la compréhension avec un questionnaire ou reposer nécessairement sur l'écrit avec la transcription pour que l'enseignement ou bon, la posture d'écoute devienne en fait une tâche de lecture ou d'oralisation de texte écrit. On veut vraiment, on fait le pari qu'on peut enseigner la compréhension de l'oral en restant à l'oral sans reposer sur l'écrit. On ne dit pas que de reposer sur l'écrit, ce n'est pas aidant. C'est aidant, ça peut être fait. Mais de toujours se tenir à ça, on passerait peut-être à côté de quelque chose. C'est peut-être pas, ça ne pourrait pas nécessairement servir tous les apprenants. Donc, on part de là. Donc, on s'est dit comprendre, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est comprendre? Donc, ça peut être autant à l'écrit qu'à l'oral, là, comprendre. C'est se développer une représentation mentale de quelque chose qu'on reçoit. Donc, représentation mentale en L1 puis en L2, ça ne passe pas par la même, par le même chemin nécessairement. En L2, on a très, très peu de prises. En fait, il faut construire les prises de compréhension. Donc, comme j'ai dit, souvent, on enseigne le lexique, hein, vous allez entendre. Ou avec un questionnaire, ça peut servir à ça aussi, de déjà développer le vocabulaire qu'on va entendre. Les questions de questionnaire donnent une intention d'écoute aussi. On peut très bien donner une intention d'écoute sans questionnaire. Mais bon, le vocabulaire, c'était déjà observable dans les pratiques, dans les miennes, dans ce qu'on observe, dans ce qu'on s'est fait dire. Donc, souvent, on travaille à partir de mots-clés. En ce qui concerne le vocabulaire. Ce qui pourrait, grosso modo, correspondre à une lecture en diagonale. Donc, quand on lit en diagonale, on saisit les idées principales, grosso modo, on tolère le fait de ne pas comprendre en détail, on repère des mots-clés, puis on s'en contente. Donc, en fait, dans la vie, quand on est en mode compréhension, donc lecture ou écoute, parfois on écoute d'une oreille ou on lit en diagonale. Mais quand on se limite en salle de classe à enseigner l'oral par des mots-clés puis de la compréhension globale, bien, on pourrait faire correspondre ça, grosso modo, à de la lecture en diagonale. Je prends peut-être le raccourci, là, mais c'est vraiment pour illustrer mon propos. Je ne sais pas si l'image, la métaphore est claire, mais comme c'est volatile, l'oral, je ne sais pas si c'est le bon terme encore une fois, mais c'est comme ça passe puis ça peut nous... Bref, on n'a pas de prise temporelle sur la compréhension de l'oral, bien... C'est important d'enseigner des stratégies d'écoute, avoir une intention d'écoute, tolérer l'ambiguïté. On ne remet pas tous ces éléments-là en question, mais on trouvait que ce n'était pas suffisant. Donc, j'arrive au point, c'est qu'on voulait du matériel qui puisse aussi mener vers une compréhension fine. Parfois, on veut lire en diagonale, parfois, on veut tout comprendre un texte. La difficulté avec la langue seconde, c'est que soit on présente du matériel très, très, comment dire, salle de classe, là, systématique, ou du matériel authentique. Matériel authentique, bon, on connaît les vertus du matériel authentique, ça peut servir très facilement des niveaux avancés aussi. Ça surcharge des niveaux débutants du matériel authentique. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessairement adapté au niveau. Donc, comment travailler une écoute fine, en détail, complète, à des niveaux débutants, bien, c'est de faire du matériel audio
sur mesure, donc en fonction du niveau en termes de progression. Donc, faire du matériel de niveau 3, pour donner un exemple, il faudrait que tout le texte soit adapté à un niveau 3, donc il comporte beaucoup, beaucoup de prises, le plus possible, toutes les prises possibles, avec des éléments linguistiques, communicatifs, référentiels, culturels, qui ont déjà été vus, si on peut dire, là, au niveau 1, 2 et 3. Donc, en ayant un plancher qui est adapté au niveau, bien là, après ça, on peut mettre des éléments d'apprentissage qui vont ressortir d'un niveau adapté. La nouveauté va ressortir, donc on peut la questionner, on peut entrer dans un questionnement pédagogique pour favoriser l'apprentissage des éléments du niveau. Donc, des éléments de grammaire, des éléments de phonétique, des éléments culturels, etc. Donc, en fait, les éléments, les objets d'apprentissage disciplinaire, linguistique, qui traditionnellement ne s'enseignent pas à l'audio, à l'oral nécessairement. En production, oui, on voit une notion grammaticale, on la travaille, on peut l'utiliser. C'est dans les pratiques. Mais le matériel audio, parfois, quand il y a quelque chose qui passe, on le fait remarquer, mais ça ne fait pas état d'enseignement. Donc, on voulait du matériel qui puisse permettre aux enseignants d'aller partout, dans de l'écoute globale, dans de l'écoute précise, et qu'on puisse enseigner les objets d'apprentissage prévus au programme d'études à travers ça. On ne savait même pas si c'était possible, c'était un souhait. Donc après ça, on se posait la question, comment rendre ça possible en termes de matériel, d'incarner cette volonté-là? Donc, je vous présente grosso modo l'ingénierie derrière ce matériel-là, l'ingénierie didactique. Si vous êtes visuel, vous allez aimer ce document. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, on a pris, par exemple, pour une intention de communication prévue au programme d'études, on a pris l'arrimage pour voir les savoirs qui ont été arrimés. Donc, pour une intention de communication, on se retrouvait avec du matériel comme ça en deux parties. Donc, une première partie composée de courts textes audio, de courts pistes audio, qui comportaient, vous voyez les X en haut à gauche, un savoir à plusieurs occurrences. Donc, le fait d'avoir un court texte, c'est beaucoup plus à portée de l'élève. Quand on parlait là, du temps qui passe puis on n'a pas de contrôle sur le temps, bien, en peu de temps, il va être exposé à l'objet d'apprentissage à plusieurs occurrences. Donc, ça nous permet d'être dans une approche inductive, explicite, inductive, pour questionner la nouveauté, pour que l'élève, l'apprenant, ait un exemple d'utilisation à plusieurs reprises. Donc, le fait d'en avoir deux fois, par exemple, peut faire un lien entre deux occurrences du même savoir. Une troisième occurrence lui permet de confirmer, d'infirmer son hypothèse. Une quatrième fois, en bonus, parce que c'est de l'oral, il y en a manqué un, ben, il passe pas à côté. Donc, dans une démarche inductive, ça prend un minimum de trois occurrences. Deux pour faire un lien, puis trois pour confirmer ou infirmer. On en donne un quatrième. Donc, tout a été construit comme ça. Donc, pour une intention de communication, on a un premier extrait audio avec un savoir X qui est là plusieurs fois. Donc, ça permet d'aller dans une approche communicative. Donc, l'élément communicatif de l'extrait est incarné dans une intention de communication. Donc, on peut, par exemple, si c'est en santé, bien, il va y avoir un court extrait en santé dans le DGF. Avec l'intention de communication, c'est comprendre le diagnostic d'un médecin. C'est un court texte de diagnostic avec un savoir qui a été arrimé à cette intention-là quatre fois. Donc, l'enseignant peut aussi aller dans une approche non seulement globale, mais aussi précise sur l'élément d'apprentissage. Après ça, ben, vous savez, dans l'arrimage, on peut avoir une dizaine de savoirs arrimés. Donc, il y aurait une dizaine de courts textes, un pour chacun des savoirs, qui sont de nature grammaticale ou phonétique. Donc, le savoir Y, même chose, on peut l'enseigner, on peut le faire apprendre, le questionner. Il est là quatre fois dans un autre texte audio.
le savoir Z dans un autre. Donc ici, c'est trois illustrations, mais s'il y avait 10 savoirs, bien, il y aurait 10 courts textes. Après ça, pour, dans la même intention de communication, il y a une partie 2. Vous voyez à droite, la colonne de droite, où là, tous les savoirs qui ont été arrimés sont là, mélangés, intégrés, deux fois. Donc ça, ça ressemble un peu plus à ce qu'on est habitué d'avoir comme matériel de compréhension orale. Ça peut être un dialogue ou un long monologue. Les savoirs sont intégrés. Ça, ça pourrait être accompagné d'un questionnaire, si on veut tester. Le questionnaire sert à tester. Donc, si on veut tester, ça pourrait être là. Le questionnaire peut ne pas se faire à l'écrit non plus. On peut questionner à l'oral, on peut questionner en sous-équipe, en plénière, de plein de manières. Donc, une partie 1 à gauche pour apprendre. Donc, ça serait une phase d'acquisition du savoir. Et à droite, une partie 2 permettrait de, bon, donner un exemple, de faire en sorte que l'élève puisse mobiliser ce qu'il a appris. Toujours en posture d'écoute. Donc, est-ce que la représentation visuelle vous paraît claire? Qu'est-ce que j'ai manqué? Pas grand chose. OK. Si vous voulez un exemple concret, j'irai maintenant avec un exemple de la transcription réelle d'une intention de communication. On va quand même fournir la transcription des audios. D'après l'approche que j'ai décrite, là, on ne mettrait pas ça de l'avant pour que ce soit distribué à l'élève. On ne veut pas recourir à l'écrit. On veut que l'attention, la qualité de l'attention pour la CO soit à l'oral, consacré à l'oral à 100%, que le questionnement se passe à l'oral, que l'écoute à l'oral, bon. La transcription servirait peut-être plus d'outil de planification à l'enseignant pour qu'il puisse savoir sur quoi faire remarquer, sur quoi porter l'attention des élèves. Donc, je vous donne un exemple là, d'incarnation du schéma que je vous ai présenté. Donc, une première page qui se situe dans le programme, grosso modo, là, avec les DGF, l'intention de communication, la situation de communication, il y a un résumé de l'intention. Ensuite, dans la deuxième page, bien, on aurait les savoirs. Ça, c'est un copier-coller de l'arrimage. Donc, juste pour les avoir sous la main, les savoirs qui ont été arrimés à cette intention-là. Et ensuite, la transcription des audios de la partie 1. Donc, vous avez ici, vous voyez, on les a mis en gras, donc c'est facile à repérer. Ici, le 1A, pour prendre un exemple, on les a nommés, le texte 1 pour la partie 1A, pour que c'est le premier. Donc, c'est en lien avec le plus que parfait. Donc, ici, vous remarquez, il y a plusieurs occurrences de verbes au plus que parfait. Puis toujours, incarné dans une situation de communication cohérente, ici, c'est comprendre les chroniques pratiques, les entrevues, les documentaires. Donc, on va certainement avoir des parties 1 qui vont être des chroniques pratiques, d'autres des entrevues et d'autres des documentaires. Donc, le savoir est incarné dans une situation de communication. Et on passe, et on a toutes les parties 1, puis on arrive ensuite avec la partie 2, la partie plus longue qui est représentée ici, visuellement. Donc, je peux commenter. Il y a très peu de dialogue dans le matériel. C'est souvent des monologues. Pourquoi? Parce qu'on essaie de mettre l'élève dans sa posture de réception. Donc, c'est rare de comprendre un dialogue entre un médecin et un patient. On doit surtout comprendre un médecin qui s'adresse à soi. Donc, c'est pour ça que on doit comprendre son propriétaire qui s'adresse à soi. On ne doit pas comprendre le dialogue entre un propriétaire et un locataire. Pas que ça n'arrive pas, mais on essayait toujours de mettre l'élève dans sa posture de récepteur, comme pour avoir un traitement le plus plausible, le plus authentique possible. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément que je peux préciser, c'est que, bon, l'exemple ici, il n'y en a pas, mais on a intégré ici à ça les savoirs strictement à l'oral. Donc, vous savez, les savoirs qui sont suivis d'un exposant haut dans le programme, ce sont des savoirs qui sont vus strictement à l'oral. Et dans ceux-là, ceux qui commencent par un verbe introducteur de compréhension, donc ça veut dire que c'est des savoirs qui se retrouvent uniquement en compréhension de l'oral. Donc ceux-là, ils ne sont pas dans l'arrimage, mais on les a
ajouter, en fait, parce que c'est le seul moment où on peut travailler ces savoirs-là. C'est des savoirs de compréhension strictement à l'oral, c'est seulement en CO. Donc, on a ajouté ça à l'arrimage. Donc, là, l'exemple que j'ai sous les yeux ne l'illustre pas, mais ça a été ajouté des éléments phonétiques. Je peux vous donner un exemple, en fait, de ce que ça représente en termes de matériel. Après, on va aller dans les pistes d'exploitation, là, mais pour vous donner une idée du volume. Ici, c'est un tableau que vous avez. Pour chacun des niveaux, le nombre d'intentions de communication en compréhension de l'oral. Donc, 3, 2, 7, 12, 5. Ici, il y a une parenthèse là, au niveau 5. Au niveau 5, on a mis 6 en parenthèse parce qu'il y en a une qu'on n'a pas traitée. Celle qu'on n'a pas traitée sont souvent des intentions de communication en lien avec une œuvre artistique. Donc, une chanson, une pièce de théâtre, un film. On ne s'est pas mis à faire des films ou des chansons. Donc, en fait, c'est pour ces intentions-là, les savoirs, il n'y a aucun savoir qui a été arrimé à ces intentions-là. Ça ne l'aise pas. Il n'y a aucune perte en termes d'enseignement de savoir. Et, bon, ça serait sûrement pertinent pour ces intentions-là de prendre du matériel authentique. Des vraies chansons, des vrais films, il n'y a pas de savoir arrimé. C'est des niveaux avancés, donc le matériel authentique ne nous l'aise pas. Et en bas, le nombre de fichiers audio qui a été produit pour chacune des intentions. Donc, ça correspond, grosso modo, au nombre de savoirs qui a été arrimé. Donc, en fait, au total, on a 337 fichiers audio à notre projet. Donc, chacun d'eux exploitables de différentes manières. Là, j'y arrive très bientôt. Mais c'est pour vous donner une idée de l'ampleur, en fait, du projet. Un fichier audio demande quand même une phase de rédaction, de validation pour sa conformité au programme, l'enregistrement, le montage, la mise en ligne. Donc, tout ça pour un. Donc, 337 comme ça. Donc, c'est une bonne nouvelle, je pense. On va avoir du matériel à exploiter en salle de classe. Avant d'aller dans les pistes d'exploitation, dernier élément, puis on en parle depuis le début de notre rencontre, là, sur l'alignement curriculaire. Je parle beaucoup des intentions et des savoirs, mais la progression est un élément aussi central dans le processus de validation qui est fait jusqu'à maintenant de manière très, très, très rigoureuse par ma collègue que vous connaissez très bien, probablement Sophie Lapierre. Elle connaît très bien le programme, c'est elle qui valide tout le matériel qu'on fait. Donc, en fait, tout correspond au niveau, mais tout correspond à la progression aussi. Donc, ça, c'est une force, je pense, là, du programme. C'est le vrai test, ça va être en salle de classe. Mais une des forces de ce matériel-là, c'est que non seulement, ah oui, on a du matériel pour telle intention, pour enseigner tel savoir, mais ça correspond à la progression. Donc, pour apprendre la nouveauté, il fallait s'assurer de manière très rigoureuse que du matériel de niveau 4, mais pour que la nouveauté grammaticale ou phonétique ressorte, tous les autres éléments soient accessibles à ce niveau-là. Donc, le travail de rédaction, c'est un travail de créativité, d'imagination, mais aussi de correspondance intimement liée, en fait, au niveau précédent et au niveau actuel de l'élève qui travaille, bon, avec du matériel de tel niveau. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais c'est pour du matériel de niveau 4. Toute la rédaction, tout ce qui est autour du nouveau savoir à acquérir sont des éléments qui correspondent à des éléments du niveau 1, 2 et 3 ou 4 pour du matériel de niveau 4. Donc, il n'y a rien qui dépasse. Ça ne veut pas dire que du matériel qui dépasse le niveau n'est pas utilisable, mais ça met en relief la nouveauté, ça la rend beaucoup plus accessible. On limite la charge cognitive, la surcharge cognitive de l'apprenant en lui donnant accès à tout le reste, autre que la nouveauté. Donc, c'est une force que je voulais quand même souligner. Donc, ça tient compte du programme, de l'arrimage, mais de la progression, et c'est ça qu'on n'a pas tout le temps. Donc, pour les pistes d'exploitation, donc qu'est-ce qu'on en fait de ce matériel-là? Je vais vous donner un extrait. Je vais vous faire jouer un extrait. Ça va me permettre de le commenter beaucoup plus aisément. Donc, c'est un extrait. On va commencer avec un extrait de niveau 5. On va commencer avec celui-là. Donc, c'est un extrait, je vous mets en contexte, niveau 5. L'intention, déplacement dans une ville, situation. Intention de communication, suivre un bulletin de circulation routière.
Et le savoir qui a été arrimé à cet extrait-là, c'est reconnaître quelques verbes à la première personne du pluriel dans l'impératif présent. Donc, il y a quatre verbes dans l'impératif présent dans ce que vous allez entendre. À qui veut l'entendre? Niveau 5, intention 24, 1G. Rien à signaler sur les grandes routes dans la région du Bas-Saint-Laurent. Profitons-en. Par contre, allons voir du côté de Rimouski, sur le boulevard Saint-Germain, près de la rue Lausanne. Un chasse-neige est entré en collision avec un véhicule qui sortait d'un stationnement d'un commerce. Évitons le secteur. Choisissons plutôt les rues Dollard et La Salle pour contourner le tronçon. Donc, vous avez un exemple. On peut faire toutes sortes de choses avec. J'ai dit que le savoir est arrimé, on peut travailler l'impératif, évidemment. On peut faire remarquer, on peut faire, je reviens à la formulation du savoir, c'est reconnaître quelques verbes à la première personne du pluriel. Donc, ils doivent reconnaître quelques verbes. Donc, en fait, on peut faire remarquer les verbes à l'impératif et leur demander, par exemple, bon, leur demander l'infinitif. C'est une manière de voir s'ils ont reconnu les verbes. Ça peut être exploité autrement. Ça peut être, on peut travailler aussi, on peut faire le parallèle avec ce qu'ils connaissent déjà. Donc, dans la progression, au niveau 5, ils connaissent déjà l'impératif à la deuxième personne. Donc, on peut les questionner aussi en demandant l'équivalent par rapport. Donc, ça va nous permettre d'enseigner, les amener à reconnaître ces verbes-là. Donc, en fait, on peut travailler le savoir, c'est le premier élément à travailler, par questionnement, par relation avec ce qu'ils connaissent déjà. On peut aussi, évidemment, faire des pauses. Hein. On peut faire jouer, faire pause, questionner, continuer l'écoute, l'arrêter, questionner. Donc, on n'est pas dans une écoute authentique, c'est du matériel d'enseignement. Donc, on peut faire ces allers-retours, ces répétitions. Si notre but, c'est de travailler le savoir grammatical qui a été prévu. Comme on a dit, comprendre, ça peut être autre chose que ça. Ça peut être une compréhension globale. On peut aller dans une première écoute, qui parle, dans quel contexte, qu'est-ce qu'elle dit, demander de faire un résumé. Donc ça, ça pourrait être une écoute globale aussi. On peut travailler ça. On peut travailler des éléments communicatifs. Donc, on pourrait même donner une tâche par rapport à ça. On pourrait donner un plan, peut-être de la ville, et demander de localiser les accidents, ou bon, mettre en vert, en rouge, les endroits, bon, les informations. On pourrait travailler aussi des éléments culturels. Donc, par exemple, on parle des régions du Québec. On parle des villes. Ici, on parle d'un chasse-neige. Donc, il y a des repères culturels, des repères régionaux, géographiques, qui peuvent être exploités aussi. Donc, vous savez, là, je n'ai pas parlé, je n'ai pas développé aujourd'hui, là, avec le temps que j'ai, les différentes composantes de la compréhension, mais on peut jouer sur du linguistique, le vocabulaire, la grammaire, comme j'ai dit, des éléments discursif, donc le texte global, des éléments socioculturels. Puis ça, on peut jouer, ah oui, ça me fait penser, on peut travailler aussi des éléments de variété de langue. Donc, c'est quoi un contexte formel, informel, ici on est dans les médias, c'est une journaliste. Donc, on peut travailler les variétés de langue, ce qu'on appelle les registres parfois, là, mais on devrait parler de variété de langue. Donc, on peut travailler là-dessus aussi. Et travailler sur l'aspect culturel. Donc, ça, c'est les quatre volets là, que je ne vous ai pas présentés plus tôt par rapport aux composantes de la compétence de compréhension orale. Donc, on peut jouer sur ces quatre volets. On peut jouer aussi sur la dimension stratégique des élèves. Donc, apprendre à écouter, à se poser les questions. Plutôt, quand je parlais du questionnement sur l'élément grammatical, ici, avec des pauses, questionner. On peut aussi faire des pauses pour modéliser un questionnement stratégique. Donc, comment écouter? Donc, quelles questions je me pose pendant que j'écoute? Donc, ça peut servir aussi
de matériel pour modeler le questionnement stratégique. Ce que je veux dire, je te donne un exemple. Donc, je fais jouer la première ligne, j'arrête. Et devant le groupe, je me mets à leur place et je simule mon questionnement à voix haute. Donc, ah, j'ai entendu ça, ça, je connais ça, tel élément, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, je continue. Là, je fais jouer je continue la lecture du fichier audio. Et là, j'émets une hypothèse, j'ai entendu deux fois la même chose. Ah, ça peut peut-être vouloir dire ça, ça peut peut-être vouloir dire ça. Et là, après ça, je continue mon fichier audio, je l'entends une troisième fois. Je me dis, ah, est-ce que ce que j'avais dit, ça marche encore avec celui-là ou c'est en contradiction? Donc, en fait, c'est de faire à voix haute tout le questionnement, de formulation, d'hypothèse que je peux modéliser en salle de classe, enseigner à écouter, enseigner à avoir une écoute stratégique. Donc, questionnement à voix haute à travers le fichier audio. Plus on le fait, après ça, moins on a à le faire parce que plus on comprend, plus ils le font eux-mêmes. Donc, ça peut être ici pour un enseignement stratégique. Stratégique par rapport à l'acte d'écoute, donc tolérance à l'ambiguïté, intention d'écoute, écoute active, qu'on peut être stratégique dans l'acquisition de l'élément linguistique. Donc, le questionnement sur l'élément phonétique ou grammatical. Donc, on peut. Le matériel va pouvoir nous permettre d'induire ce questionnement-là pour la grammaire, de par la multiplicité des occurrences que pour l'enseignement stratégique que d'autres matériels peuvent nous permettre de faire aussi. Là, mais il y a tout cet éventail-là d'exploitation possible. Il y a une question, je vais prendre le temps de regarder. Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, je vous ai fait écouter un extrait. C'est un extrait de la partie 1 parce qu'il est très court, 30 secondes ici au niveau 5. Un même savoir est représenté 4 fois. Donc, ça, c'est la partie 1. Je peux vous faire écouter quelques autres extraits. Ça va peut-être me permettre de compléter des pistes d'exploitation. Puis à la fin, je peux vous donner aussi un extrait de partie 2 où tout est intégré puis c'est plus long. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va prendre 5 minutes pour écouter quelques extraits. Donc là, maintenant, l'extrait B que je vous présente, c'est comprendre une consigne dans une situation d'emploi. Oh non, je ne l'ai pas celui-là. C'est ça, il n'est pas dans la liste. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que ça vous aurait donné un exemple d'un niveau 3 qui est un niveau débutant. Puis, c'est un élément phonétique aussi. Donc, en fait, l'arrimage, c'est pas juste des éléments grammaticaux, mais aussi des éléments phonétiques. Mais c'est pas grave. Quand le matériel va être disponible, vous pourrez l'écouter. Mais je peux le commenter quand même. Ici, c'était d'identifier une semi-consonne. Donc, en fait, on a mis des mots qui comportaient des semi-consonnes. Et pour pouvoir l'opposer, l'enseignant de discrimination, il y a aussi beaucoup de vocabulaire, enfin beaucoup, dans la limite du possible, avec un U, en fait, donc un non semi-consonne, un U plein, là, je ne sais pas comment le dire. Donc, en fait, là, je les cherche, là, mais attendez, rapidement, là, peux-tu, qu'est-ce qu'on a aussi? En tout cas, ce n'est peut-être pas l'extrait, le jusque. Donc, en fait, on a un corpus. Il n'y en a pas tant que ça. Des fois, il y en a beaucoup plus. C'est sûr qu'on est limité à ce que l'élève connaît au niveau 3 aussi, dans la durée. Donc, on peut opposer aussi la semi-voyelle. Donc, je suis. Et, bon, excusez-moi, c'est pas le meilleur exemple. Là. Mais vous comprenez le principe. Ça se retrouve partout aussi en enseignement, les éléments phonétiques. Celui-là, je l'ai. Un extrait ici, c'est une publicité qu'on a créée pour comprendre, en fait au niveau 7, c'est comprendre une publicité comportant un message implicite et c'est le futur antérieur. Puis on va pouvoir l'opposer avec du futur simple. Donc vous allez voir, il y a une correspondance. Futur simple est déjà acquis, donc on l'a mis comme élément de comparaison. Ça peut se travailler comme ça aussi. Je vous le fais jouer. Publicité. À qui veut l'entendre? Voiture. Niveau 7, intention 27. 1B.
vous avez une view pic. Imaginez, tous les soirs, vous vous coucherez. Vous aurez travaillé fort toute la journée. Vous aurez fait les courses. Vous vous serez occupé de votre famille. Encore avec être ici. Chaque soir, vous vous coucherez après une journée bien remplie. Mais vous aurez circulé toute la journée comme si vous étiez en balade du dimanche. Chaque jour. Viewpic, la voiture de demain. Donc, ça vous donne une idée ici pour... Je pense que cet exemple est assez clair aussi dans le questionnement qu'on pourrait avoir avec les élèves par rapport à l'objet d'apprentissage, le futur antérieur. On peut traiter le volet communicatif. Je reviens pour avoir la formulation exacte. Ici, c'est comprendre une publicité comportant un message implicite. On parle de balade du dimanche, on parle de fatigue. On dit voiture, on annonce que c'est une voiture juste à la fin. Donc, on peut arrêter pour émettre des hypothèses quant au message implicite de la publicité. Donc, vous voyez, autant ça permet autant de travailler le futur antérieur que le message implicite. Donc, on est à deux endroits très différents. Hein? Donc, en plus de tout le reste, là, les éléments culturels ici peut-être ou les éléments de variété de langue. Évidemment, ce n'est pas très familier comme élocution. Donc, c'est ça que je veux dire par variété de langue. Donc, peut-être un dernier extrait parce que le temps passe. Maintenant, on peut aller à la partie 2. Donc, vous allez voir un savoir beaucoup moins ciblé, plusieurs savoirs du niveau dans une durée plus longue. Donc, il y a des éléments de phonétique. Là, on va en avoir un élément de phonétique. Au niveau 7, il y avait la contraction là, de la fusion orale de « tu la » devient « ta ». Tu la, ta. Donc, il y a plusieurs occurrences quand même. Le te la devient ta aussi. Je voulais ta montrer au lieu de je voulais te la montrer. Donc, c'est un exemple de savoir strictement à l'oral. Ils n'ont jamais à écrire, à lire ou à produire ça. Il faut qu'ils le comprennent quand ils l'entendent. Donc, vous allez l'entendre. Il est présent quand même abondamment dans cet audio-là. Donc, je mets en contexte, suivi de l'actualité, comprendre un reportage informatif sur l'actualité. Donc, la longueur, ah oui, je voulais dire un mot sur la longueur. La longueur de la partie 2, on s'est rapproché des DDE, donc de l'attente de fin de cours. Donc, pour un niveau 7, si le DDE, là, je ne l'ai pas par cœur, c'est 2 minutes et demie qui est attendu, bien, on a essayé de se rapprocher là, quelques secondes, quelques dizaines de secondes près du DDE. Je dis quelques dizaines, mais en fait, c'est parce qu'au niveau 1 ou 2, c'est beaucoup plus court. La partie 2 ne va pas être extrêmement longue non plus. Donc, en fait, il y a une progression aussi dans la durée. Donc, pas juste dans la complexité du texte, mais dans la durée aussi. Puis, on s'est collé, on s'est rapproché, en fait, des DD. Donc, je vous le fais écouter avant de conclure. Okay. Donc, partie 2. À qui veut l'entendre? Niveau 7, intention 17, 2. Nous sommes en direct du centre-ville, au coin des rues Sainte-Caroline et Fernand-Drouin, plus précisément où se trouve un édifice en flammes. Ce lieu est connu de bien des gens à cause du parc Villemur, juste en face. D'ailleurs, les policiers refoulent les gens à cet endroit afin de faciliter le travail des services d'urgence. Les pompiers sont accompagnés des ambulanciers et travaillent conjointement. Je vous propose d'écouter les propos de deux passants recueillis un peu plus tôt. On marchait par ici, comme tous les jours, pour notre pause cigarette. Puis là, on a senti quelque chose, une odeur de brûlé. Oui, toi, t'as senti, mais pas moi. Après, je l'ai senti. Oui, puis après, il y a eu un gros nuage, de la fumée grise et noire, beaucoup de fumée. Oui, c'est moi qui l'ai vu en premier. Je voulais t'en montrer, je t'appointais, mais t'en voyais pas. On voyait mal à cause des arbres. Ah, je sais plus, mais bon, puis on a vu les pompiers arriver avec leurs sirènes. L'appel au 911 aurait été fait par un employé de la cuisine localisé au sous-sol du bâtiment. On ignore encore la cause de l'incendie. Les flammes seraient déjà maîtrisées et leur intensité semble diminuer. On écoute Patrick Meunier, le chef de police, faire état de la situation.
pourrons vous donner plus d'informations lorsque les inspecteurs auront déterminé la cause. Pour l'instant, les ambulanciers sont là pour les gens qui sont incommodés par la fumée, mais nous ne répertorions aucun blessé grave ni aucune victime. Voilà. C'est ce que nous avons pour l'instant. Probablement plus de peur que de mal pour les gens qui terminent leur journée de travail de manière inhabituelle aujourd'hui. Plus de détails à venir au cours des prochaines heures. Ici Chantal Armand pour TM Info. Donc, vu que c'est intégré, vous avez vu, on pouvait aller dans des savoirs de niveau de langue peut-être plus familière quand c'était les deux amis, puis la journaliste puis le chef de police, bon, peut-être un peu plus soutenu. Une variété de voix quand même. Ça vous donne un exemple là, de autant du texte que du montage. Là, donc, la qualité, on a pu profiter d'un studio ici au centre où je suis localisé. Là. On a un studio d'enregistrement, puis on a l'équipement pour faire du montage. Donc, ça donne un rendu quand même qui est intéressant à utiliser, qui n'est pas trop... on n'est pas des professionnels du son, mais on est quand même... On s'est quand même donné la peine là, de souci de qualité sonore. Un brin d'humour, je vois un commentaire, on s'est beaucoup amusé, on s'est amusé 337 fois en studio. Donc, ouais. Le temps passe vite, là, j'espère que c'était peut-être un petit peu, je me suis rendu compte que mon explication des pistes d'exploitation, c'était peut-être pas très, très structuré. Parce que quand je présente le projet, j'ai un peu plus de temps, puis il y a une première partie vraiment sur les composantes de la compétence de compréhension orale. Fait que c'est plus facile de parler des pistes d'exploitation quand on a déjà eu une réflexion sur les éléments linguistiques, discursifs, socioculturels, stratégiques, etc. Donc, en fait, je pense quand même que vous avez saisi l'essentiel du propos. Je peux vous dire que nous, notre intention, une fois que le matériel va être disponible, c'est localement, on va offrir une formation ou une séance d'échange par rapport aux pistes d'exploitation. On va pouvoir aller plus en profondeur dans ces concepts-là. Moi, il fallait que je vous le présente un peu rapidement aujourd'hui. Je veux mentionner aussi le travail. On était une équipe, hein, on a été... quatre rédacteurs pour le volet SEO là, de À qui veut l'entendre. Je dis volet parce que là, on travaille sur la partie COPO qui va venir un peu plus tard, mais on a déjà commencé à rédiger. Mais on a été une équipe de quatre rédacteurs. J'ai eu une quinzaine de volontaires là, pour les voix. Quand je dis volontaires, c'est des employés, là, c'est pas des bénévoles. Mais en fait, ils ont fait ça sur leur temps de disponibilité. Une collaboration là, intercentre ici à la CSDM. Je le mentionne parce que j'en suis un peu le porte-parole en ce moment du projet, mais ça a été un travail de Sophie Lapierre et moi. On a compté sur plusieurs collaborateurs pour ce projet-là. Donc, je tiens à le mentionner. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les fondements, un peu plus sur les pistes d'exploitation, c'est toujours communiqué avec moi. Là, on ne l'a jamais présenté encore ici. Ça va se faire l'année prochaine, là, la formation dont je vous parlais. Mais s'il y aurait bénéfice à ce que vous approfondissiez votre compréhension du matériel pour pouvoir mieux aussi le porter autour de vous dans votre équipe et peut-être même mieux l'utiliser en classe, faites-moi signe. Vous avez mon adresse de courriel. Si vous ne l'avez pas, bien, je vous la laisse à l'instant. Vous allez voir dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire pour ça. Moi, je vais vous mettre un autre lien là, dans l'espace de clavardage. C'est le lien vers un canal qu'on s'est créé, qu'on appelle notre liste de diffusion, en fait, comme un peu une infolettre. Là, si vous vous inscrivez à cette liste de diffusion-là, dès que le matériel va être disponible, vous serez informé, vous allez être au courant. Puis au fur et à mesure qu'il y a des ajouts, bien, vous serez au courant aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir aux deux semaines, si vous enseignez le niveau 2 puis vous voulez savoir si le matériel de niveau 2 était là, vous serez informé. Donc, le lien, c'est celui qui apparaît là, dans l'espace de clavardage. Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion, comme ça, vous ne manquerez rien par rapport à ce matériel-là. Dernière chose, si l'alignement curriculaire vous intéresse puis vous voulez approfondir votre réflexion sur ça,
J'en profite pour mentionner qu'il y a une journée le 24 mai organisée par l'équipe Choc et Carrefour FGA. Sophie Lapierre et moi, on a préparé une journée là, de réflexion par rapport à toutes les considérations autour du programme d'études, puis la cohérence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait faire, dans ce qu'on évalue, puis dans le matériel qu'on choisit. Donc, ça vaut la peine d'approfondir cette question-là. Ça bouclerait la boucle avec les questions qu'on a eues en début de VIA là, sur par ici, puis l'alignement. Donc, bref, vous êtes invité, il y a encore de la place. Si vous voulez des détails, vous pouvez m'écrire, je vous mettrai sur la piste du formulaire d'inscription cette journée-là. Je pourrais vous donner plus de détails. Donc, ça serait un peu tout pour cette présentation-là. De toute façon, il est midi 59, pas chez nous. Rima. Mais merci beaucoup, Charles. Je pense que les gens ont eu beaucoup plus d'informations à propos du matériel qui va être disponible. Et ce qui est aussi bien, c'est que les gens vont pouvoir aller consulter, regarder l'enregistrement en différé, étant donné que plusieurs personnes sont en salle de classe présentement. Donc, ça permettra d'avoir plus d'informations et quand même d'amorcer la réflexion vraiment sur l'utilisation de Par ici ou non, sur comment est-ce qu'on va organiser les classes l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va utiliser. C'est vraiment je pense que, bien Caroline dit, merci Charles et bravo encore à toute ton équipe, mais je pense que c'est tout le réseau qui dira bravo et un gros merci à votre équipe. Je tiens à vous rappeler que la prochaine et la dernière rencontre de la communauté de l'année 2018-2019 aura lieu le 12 juin, de midi à 1 h. Je vous invite aussi à réfléchir avant la rencontre et à noter dans le bloc-notes collaboratif dont le lien était parmi les premiers messages dans le clavardage, à noter les suggestions de sujets que vous aimeriez aborder lors de l'année scolaire 2019-2020. Ce serait bien important pour qu'on puisse s'organiser, voir comment est-ce qu'on pourrait organiser la communauté l'année prochaine. Et on va aussi, bien, à la fin, on va parler de l'horaire de la rencontre, d'attendre la confirmation des participants qu'on aimerait qu'ils présentent. Voilà. Donc, au revoir et à la prochaine rencontre.